Dans chaque ville, il existe une telle maison où les gens sont rassemblés au moment de Noël. La plupart du temps, vous passez devant sans le voir. Mais quand arrive décembre, là vous restez bouche bée. Parce qu'elle a des milliers de lumières qui clignotent et un Père Noël sur le toit. Des sapins de crâne et des rennes, même celui au nez rouge. Et de joyeux bonhommes de neige qui dansent dans le jardin. Et un groupe de chanteurs de Noël juste devant l'entrée. Jésus couché dans la crèche, posé sur le gazon. Et tu dois venir du ciel des anges en grande douce nuit. C'est la maison la plus belle, la maison du Père Noël. Chaque année à la Toussaint, la famille se prépare à installer les décorations qu'on peut voir même de l'avion. Papa commence à s'inquiéter pour la facture d'électricité. Mais maman dit qu'offrir du bonheur, ça n'a pas de prix. Parce qu'elle a des milliers de lumières qui clignotent et un Père Noël sur le toit. Des sapins de crâne et des rennes, même celui au nez rouge. Et de joyeux bonhommes de neige qui dansent dans le jardin. Et un groupe de chanteurs de Noël juste devant l'entrée. Jésus couché dans la crèche, posé sur le gazon. Et tu dois venir du ciel des anges en grande douce nuit. C'est la maison la plus belle, la maison du Père Noël. Sur le mur. C'est si joli sous la neige. On voit briller des étincelles dans tes yeux. Dans tes yeux. Parce qu'elle a des milliers de lumières qui clignotent et un Père Noël sur le toit. Des sapins de tonneau et des rennes, même celui au nez rouge. Et de joyeux bonhommes de neige qui dansent dans le jardin. Et un groupe de chanteurs de Noël juste devant l'entrée. Jésus couché dans la crèche, posé sur le gazon. Et tu dois venir du ciel des anges entendre douce